à moitié ou... Bah, j'ai acheté moitié au magasin des Arabes là, aux épiceries. Parce que là, c'est... ça c'est comme... ça c'est ramené d'Afrique. C'est très très amer. Je voulais goûter pour voir après. Ça s'appelle cola. Toi t'aimes bien ça? Je donne la force et l'énergie. C'est amer hein. Ganesh prend des cours de zizi sexuel dehors. Et du coup donc il apprend à croquer dans le gingembre, à prendre des colas et... quel cola? Ah, c'est pas bon, c'est pâteux, j'arrive même pas à avaler. Moi j'ai mis 5 minutes à tout avaler. Avant que ça devienne plus, il faut l'avaler. Chaque fois quand ça arrive, il faut l'avaler parce que si tu laisses beaucoup, après tu peux pas. Bah franchement merci. Bah c'est toi, c'est nous, bah, c'est nous. Merci pour le plaisir. Regardez ça et gardez bien pour toi. Mais tu, je vous donne deux. On s'en prend où pour la route, on sait jamais. Ça tient pas. On peut les offrir sinon. Ouais, en fait, on peut les offrir à quelqu'un. Ouais. 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 Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok, bah merci à vous aussi. Et vos compagnies jusqu'ici. Merci beaucoup. C'était top. Ah bah oui. Allez, bonne route. Ah. Et surtout, prends bien de la force, hein. Ah ouais, voilà, ça y est, pour l'arrivée. Bon, on a beaucoup avancé. On est où? On est à Tours. Merci beaucoup. Bah, c'est, merci, c'est cool, hein. Vraiment, tu nous as fait avancer de malade. Très sympa. Yes, tout. Ouais. Bon, continue. Bah, merci. On a très bien avancé. On est après Grenoble. On va essayer de trouver. Donc, on est parti à Bagneux, Bretagne, il y a 3 jours. Mais... la forêt de Brocéliande et du coup voilà, on est depuis quand on est arrivé là en fait. Ouais. Il habiterait ici du coup, ouais. Quoi? Il habiterait bien ici. Oui il habite je sais pas où, à côté de... Ah donc c'est pas une fausse information. Pas une fausse alerte et, ok c'est bien ouais. C'est une bonne nouvelle. Ça y est, après 2 jours à traverser la France et des dizaines de rencontres, nous voilà dans le Rhône-Alpes. Et déjà la piste de Nance semble être en vue. Fini l'autoroute, une nouvelle phase du voyage commence, la recherche de Nance. Nous allons enfin pouvoir ralentir le rythme. Salut, c'est encore Rito et Raoul. Donc on arrive encore pour la Golden Hour, là où on voulait arriver. Voilà. Donc Raoul à côté de moi a bien kiffé le trajet. Donc là on a quand même tracé, donc du coup je sais pas combien, 1200 bornes en 3 jours. En plus on est parti que hier de Rennes. Et à présent donc Raoul et Riton se dirigent vers...
là où habite Nance potentiellement. Il faudrait d'ailleurs qu'on prenne exemple sur ces chats. Il n'y a que nous aussi, on achète des croquettes Ganesh. Bonjour. Bonjour. Tu veux un peu de croquettes, Victor? J'en veux bien. Bonjour. Avec mon ami, là, on fait un petit voyage. On est parti avec rien. On essaie de faire plein de trucs, plein de petits défis et tout. Et en gros, là, on cherche à manger. Si vous avez un petit truc à manger. Et en échange, on rend des services, tout ça. On n'a pas besoin forcément de services, mais il faut trouver quelque chose. Si jamais les moyens, c'est trop top, ouais. Voilà. C'est super beau. Regarde ça, c'est tellement. Tu vis genre en bas des arbres, après on fait. C'est trop beau leur terrain. En fait, le but c'est. Bah, vous connaissez sûrement Nu et Culotté. Comment ? Nu et Culotté. C'est une émission où le principe en fait c'est deux gars. Bah, il y en a un qui est du coup d'ailleurs qui veut. Et en fait, ils partent nus d'un endroit. Et donc après, bah, ils essaient d'aller à un autre endroit en se faisant des défis avec un but à la fin. On a repris le truc, on est parti nu dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. D'accord. Du coup, on est arrivé. On n'avait rien et on a récupéré toutes ses affaires et on essaie de les retrouver en fait. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous en prie, là. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est bon, hein, vous inquiétez pas, il y en a bien à faire. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais pour faire une salade, c'est bien. Le luxe. Vous avez lancé des tomates du coup dans la petite serre. Ouais. Pour le moment, elles poussent pas encore. Mais par contre, je peux vous donner aussi un petit pognon là. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un amour. Tenez, basilic frais. Oh, c'est d'avoir. Ah, ça sent bon. Ah oui, ça sent super bon. Oh là là, j'ai trop hâte. Le repas healthy. Ah non, mais c'est trop top. Non, mais bon. Ouais, si vous avez de quoi bouffer, c'est quand même mieux, non? Ouais, mais c'est des grosses générosités. C'est un endroit qui est plus que cher à mon cœur, donc ça n'a pas de prix. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Alors, 20 ans qu'on a acheté ici. On a d'abord acheté la petite maison, et à l'époque, le terrain était du pas à nous. Passez une bonne journée. Super. C'est vraiment trop cool. Merci. Bah avec ça, ça va être difficile de pas en avoir. Bon appétit. Merci beaucoup. Et au revoir. Continuation. Non mais là, faut qu'on trouve une idée de ouf, Victor. Hein? Faut qu'on trouve une idée de ouf. Et j'ai une idée là. Pour leur cadeau? Pour demain. Pour leur offrir? Ouais. Il faudrait pas que l'hôtel y ferme. Super cadre. Ah bah il y a la biche qui est encore là. J'ai entendu bouger dans les feuilles. On vient de voir une biche. Hyper nature. Mec, puis tout du jardin quoi. Tu sais qu'oignon nouveau, tu peux quasiment tout manger. Hein. Ah ouais? On va tout manger alors. Mais c'est fort. Hein. Ça, même les. Ça là. C'est fort. C'est blâme. On essaye de trouver chez l'habitant pour changer un peu de méthode. Parce qu'à chaque fois, c'était des personnes de Stop qui nous avaient invités. Donc là, on tape aux portes. Et pour essayer un peu de changer de manière de faire. Voir comment ça se passe. Oser demander directement à une personne. Il est intéressé pour accueillir des voyageurs. Vous avez rien, vous avez pas de temps de faire. Non, non. Pas d'argent, pas de rien, juste ça on nous a donné, ça pareil. je sais pas, on n'a pas trop de place pour vous accueillir. Moi je pense qu'on a un emmerdeur ce soir. Non, moi je pense pas. On voulait savoir si jamais vous connaissiez quelqu'un ou quelque part où on pourrait dormir pour la nuit. Chez nous ça va être compliqué. Bonjour, on vous embête deux minutes. Avec mon ami, on cherche l'hébergement chez l'habitant. Et ouais. Bah après, on prend des trucs, bout de moquette, machin truc. Hein. On voyage, on est parti de Bretagne. Ouais. En stop et tout, on essaie de rencontrer du monde, tout ça. Okay. Ça vous intéresse pas? Pas les inconnus à la maison. Ouais, bah c'est normal aussi, mais ça roule. Salut. Vieux vêtements. Des pulls, des pantalons. Passons la main là. Des trucs de fond de placard qui servent jamais. Je vais jeter un coup d'œil. Ça marche, ça marche super. Il y a deux sous-pulls, une pour l'air. Ouais, bah c'est top, c'est top. Après, c'est top. Merci beaucoup. Bah, ça c'est parfait. De rien. Trop trop cool. Bah merci beaucoup. Parce que là du coup, vous faites quoi? Vous êtes à Rambo? Non, en fait on fait un petit délire. On est parti nu de Bretagne avant-hier. Ouais. Oui, on a mérité notre situation. C'est un pari ça. En quelque sorte, bah, c'est un défi quoi. Ouais. Du coup, d'habitude bah, on arrive à trouver et tout pour dormir chez l'habitant, mais du coup on n'arrive pas, donc on va essayer de trouver une terrasse. Donc là on s'est dit bah, il est peut-être temps de trouver plus d'habits. Ouais.
Ouais. Parce qu'au début, tout allait bien en short t-shirt, mais là, bon, c'est la nuit, donc... Ouais, et puis il fait pas bien chaud ici, quoi. Il va faire combien, cette nuit? Pareil, le matin, moi, quand je pars à 6h, ouais. Il fait entre 8 et 10. Ouais, je pense qu'il faut encore trouver d'autres pulls, ouais. Ça va le faire. En tout cas, c'est super. Ouais, bah, de rien. Merci beaucoup. Allez, bah, continue. Allez. Bien. Merci. Beaucoup. Un peu de difficulté, ça commence à devenir intéressant. C'est dit pas, mec, on fait du stop, on a plus de chances de trouver. Ouais, ouais, mais je pense qu'on fait encore un petit peu de maison, et après, ouais. Comme ça on rencontrera des personnes et tout. Mais pour l'instant on peut regarder 2-3 lumières, tout ça. Le porte-à-porte pour demander l'hébergement. Est-ce vraiment crédible? Comment Riton et Raoul vont-ils passer cette troisième nuit? À suivre dans le prochain épisode.